Mon mari fait du trampoline. Et moi? Moi, je trouve ça fatigant, l'humour. Quand je vois tous ces humoristes qui écument toutes les scènes en sous-sol de tous les bars, tous les comédie clubs, toutes les scènes ouvertes, qui font des tournées dans toute la France pour se faire connaître, pour bouffer de la scène. Je trouve ça épuisant. C'est plus de mon âge. Moi, je suis une femme de 50 ans. Je commence le one-woman show sur le tard. C'est pour ça que j'ai décidé de faire du one-woman show à domicile. Je fais donc de l'humour à domicile, c'est-à-dire chez moi, pas chez vous. Enfin, quoique. À domicile veut dire dans la demeure de quelqu'un. Donc, bienvenue dans mon humble demeure. Au lieu où habite quelqu'un, c'est-à-dire chez moi. J'exerce donc une activité depuis mon domicile. Je vous divertis donc depuis chez moi. Mon lieu de travail est donc mon domicile. On peut même dire que je fais de l'humour en télétravail. Le télétravail s'est considérablement développé. On a vu ça partout. D'ailleurs, c'est une pandémie qui a fait exploser le télétravail. Mais moi, par contre, je ne vous veux aucun mal, hein. Moi, tout ce que je veux, c'est vous divertir. Je ne veux pas vous contaminer. Si ce n'est par ma bonne humeur. Le télétravail permet donc de travailler de chez soi. Il offre de nombreux avantages. J'ai vu ça partout. Comme par exemple une plus grande flexibilité. Quoique là, je me méfie. C'est comme quand on demande à quelqu'un d'avoir une grande ouverture d'esprit. Je trouve ça un peu bizarre. Moins de déplacements. Il évite le stress dû au transport. C'est vrai que éviter les cohabitations forcées dans un espace exigu aux heures de pointe, ça m'arrange plutôt. Plus besoin d'aller à la cantine. Ça évite les bavardages inutiles et la langue de bœuf. Donc, ça évite les langues bien pendues. Une meilleure gestion du temps de travail et des horaires aménagés. Alors ça, vraiment, ça m'arrange plutôt. Parce que je ne suis pas du tout du soir. Et c'est plutôt les horaires habituels des humoristes. Non, moi, je me couche tôt. Je suis une femme âgée. Moi, c'est le matin où je suis la plus fraîche, à l'heure où blanchit la campagne. Une plus grande autonomie dans la gestion des tâches. Alors moi, l'autonomie, c'est moi tout craché, hein. Je peux m'organiser comme je veux. Alors ça, c'est vraiment bien, hein, tous ces aménagements, hein, pour ma situation de femme âgée. Les entreprises, souvent frileuses sur le sujet du télétravail, ont pu constater une hausse de la productivité, une baisse de l'absentéisme due à la motivation des salariés, ainsi que des économies liées à l'achat ou à la location de locaux. Je suis ma propre entreprise. Alors, je m'absente quand je veux, et puis voilà. Quant à la motivation, ça dépend des jours, hein. Il y a des jours où je suis au taquet. Et des jours où rien ne va. Et concernant les économies, ah, moi je suis plutôt économe, hein, je regarde à la dépense. J'évite d'acheter des locaux comme ça sur un coup de tête.
Quant à la productivité, je ne sais pas si cette notion peut vraiment s'appliquer à moi. Vu que déjà je trouve ça fatigant, l'humour. J'ai lu aussi que le télétravail avait été encouragé par le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Alors, effectivement, ça me concerne, vu que je pratique l'humour à distance. En même temps, question technologie, c'est pas dingue non plus, hein. C'est pas de ouf. Parce que moi, je me filme avec mon petit smartphone, j'essaye de faire mon petit cadrage à la va comme je te pousse. Il faut que quand je m'enregistre, j'évite les bruits environnants dans l'escalier, dans la cour, quand les gens jettent des bouteilles dans des containers. C'est pas si facile que ça, hein, l'humour à domicile. Hein. Faut rester calme, hein, parce que moi j'essaye d'imposer le silence à tout le monde, etc. Mais c'est pas évident tous les jours, hein, quand même. Voilà. Donc ensuite, il y a aussi le montage vidéo que je fais avec mon petit logiciel de montage gratuit intégré à mon système d'exploitation. Donc on peut dire que tout ça quand même, ça reste assez artisanal. Hein. Mais mes vidéos peuvent être visionnées sur tous les bons réseaux sociaux. Et là, on peut dire que je suis à la pointe du progrès. Et la scène dans tout ça, la vraie, me direz-vous. C'est-à-dire sentir la chaleur du public, écumer tous les plateaux à la sueur de son front, transpirer des pieds à la tête. Mais moi, j'ai fait du théâtre amateur, figurez-vous. J'ai joué devant des publics sympas, devant des gens qui parlaient tout haut pendant qu'on jouait, des gens qui disaient mais c'est qui cette grosse quand j'étais en scène, ou alors balance ton 06. J'ai joué sur les scènes de mon lycée, sur des places de village, dans des théâtres de verdure, sur des scènes de théâtre. Mais ça, c'était avant, quand j'étais jeune. Et vous allez me dire, et tester son humour en vrai, la prise de risque, quoi. Ben oui, j'ai peur du risque. J'ai peur des bides. Surtout quand j'entends les humoristes qui parlent des bides qu'ils ont pris et que ça leur a fichu un sacré coup au moral. Ben, moi, je suis quand même toute seule sur scène face à eux, même s'ils sont que trois. Moi, j'ai peur des huées, des tomates, voilà quoi. Alors, vous allez me dire, sur les réseaux sociaux, il y a aussi les commentaires. Mais au moins, c'est pas en direct. Puis, je peux les supprimer. Puis je peux leur répondre ya. Voilà. Comme ça, à distance, moi je me dis que vous riez systématiquement à mes blagues, à mes bons mots, à mon univers potico-burlesque. Parce que, de toute façon, c'est un humour qui fait sourire, plus que rire. C'est un humour en demi-teinte. Ça m'évite de faire des tournées dans toute la France. C'est fatigant. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez m'emporter partout, dans toute la France, ailleurs si ça vous chante. Et moi, si je ne viens pas à vous, vous pouvez m'emporter partout, dans votre poche, dans votre sac, dans les transports, à la ville, à la campagne, à la montagne. Et si ça ne vous plaît pas, allez... Voilà. Je peux donc faire de l'humour à domicile. C'est-à-dire si vous me regardez de chez vous. Et voilà. La boucle est bouclée. Et oui, il y a l'humour sur place. Moi, je vous propose l'humour à emporter.
À mon âge, ça m'arrange plutôt. C'est tout pour moi. Ou pas.